Salam alaikum, ravi de vous retrouver, Hélène. Allez, on va faire l'appel. Salam alaikum, ravi de vous retrouver, merci d'être présent comme tous les soirs, les habitués, les invités bien sûr, notre invité est là, il est présent. Le temps de lui faire sa petite présentation et comme d'habitude, le temps que je fasse un peu le tour de la classe pour voir qui est présent, qui est absent, qui va venir en retard. Alors, Nazir. Hader, bravo, tu es où légitime. Tariq Shihab, qui est devenu tu es accro. Fouzia Mongi, troisième. Zian, Sadir Khadija aussi, une autre personne aussi a rejoint la vidéo. Amine, Fouzia, Kait, Bradouli Mal Oustad, Makinita Mouchkil, Hadera. Oel, Maître, Taha, présent, bien. Yassine, Salahdin, Hitmo, Mohamed Bon, c'est des noms d'abord les Oulautir Jo, Aïssam, Hélène Wesselen, ravi de vous retrouver. Salam Simourad, Ahlan, bonjour du Canada, marhaba comme tous les soirs, Mariam da Catalogne, Willin da Dar Ketal Macho, ah bon c'est bon, tu as dit, mais Rabdulchom, avec le cadre, vous avez dit, Ashnoukain, Espagna, bonsoir, Nouha, bonsoir, Salam, Iman, Kik Salam, Selma, Salam, Momo, Ahlan ou Salam, ça va, vous allez bien, tout le monde va bien. Selma Fares, salut Iman. Ado, tu es déjà au tête à la soubinette, on m'a qu'il y a mouchke. Maître Nouha, présent, toujours Mohamedi, Abraham, Zid, je suis là. Moutaïf, Zed, Hader, Saesam, Hader. Alors, présent, moi présent, Aouel Marra, Selma, welcome. Donc, tu n'as pas besoin de mots d'excuse des parents. Marhabavik, tu es là, bienvenue. Voilà, donc rapidement. Alors, comme je le fais, comme d'habitude, Selem, Men, rue de Sousse. Ah, ouais, t'as la crème. خصك تجي دير معايا لايف من هنا كاع ونهنيو راسنا rapidement comme on le fait d'habitude un petit mot en ce qui concerne la situation coronavirus au Maroc pour signaler encore une fois que 29 nouveaux cas d'infection au Covid-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, c'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé, ce qui porte le bilan à 8537 le nombre de contaminations dans le royaume depuis la déclaration du premier cas le 2 mars dernier. Il y a 7583 le nombre de personnes totalement rétablies. C'est ce qu'a précisé M. Mouad Mrabat, coordonnateur au Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé. Le nombre de décès s'élève quant à lui à 211 cas. Je dis bien 211 cas. Encore une fois, sincères condoléances aux familles, les Toufaléhom, Wahd Al-Adadialhom, Inna Lillah, Inna Rajam, Wallah Sabarkom, Wallah Sabarkom Sabar. Voilà, donc comme d'habitude, c'était avec le point Covid et j'espère qu'Inch'Allah, on va laisser toute cette histoire derrière nous, à condition toutefois qu'on double de vigilance et qu'on respecte les mesures sanitaires donc, qui nous sont dictées par le ministère de la Santé. Sans plus tarder, alors je vous ai dit que nous avons aujourd'hui un invité de marque, un invité qui m'a dit comme... ça change, on découvre des profils. Mimas profundo pesame, c'est des condoléances, je pense. Oui, effectivement. Donc, donc je disais, donc comme vous avez sans doute pu le remarquer, le foot, bien sûr, on en parle. On a eu trois ou deux jours suivis des personnes, des entraîneurs, des cadres, Kalim Chirbala, Tariq Shihab. Oui, on a eu des profils différents, tant mieux. Parce que c'est-à-dire, cet outil que nous utilisons est le nôtre, c'est-à-dire nous n'avons pas c'est-à-dire, d'obligation d'horaire, nous, c'est-à-dire, c'est mon jeu, je fais ce que je veux. Mais bon, c'est une occasion pour braquer les projecteurs. Sur des exploits, sur des sportifs, vous avez vu un peu, là, on a vu les boxeurs, on a vu les parcours, comment tout le monde fait le parcours de l'eau. Et c'est pas évident, le sportif, comme toute autre chose, mais le sportif particulièrement, il a un chemin semé d'embûches. Et parfois, il peut faire une carrière. Et alhamdoulilah, il y a des garçons qui tiennent le coup ou ils vont jusqu'au bout de leurs rêves. Et ça, c'est le plus important. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Vivez votre passion.
صبروا وراكم ان شاء الله توصلوا، هذا هو اللي كاين. On y va. Alors, avant de donner la parole, Ramzi de Champ, ça c'est Sami Amzel. Oui, effectivement. Yallah, Morfadat Pritha. Ok, Moubien, Morad Espacibila. Vai, ok. Yeno, Tertiali, Espagnol, Catalonia, Mrim, Makem Mouchki. Notre invité, c'est lui. Vous pouvez le voir, Hena. À ma droite, yak, à ma droite, il est à ma droite, et on va le voir encore, bach ta'rfo, tchoufou mzyan, il est devenu un grand athlète, barakallah, mashallah, ha wa hna, ga ahsen, ahsen men, qab tchoufouni ana, tchoufou l'athlète, ha wa, il est là, donc, barakallah, allez, donc, wa hna, on va revenir à son parcours, mais avant de lui donner la parole, moi, j'ai fait un peu de recherche et bon, j'ai trouvé un superbe article sur Surf Report qui trace un peu la carrière de Ramzi Boukhari, 26 ans, qui évolue dans le surf depuis 10 ans. Sa puissance et son backside sont ses alliés afin d'atteindre son ultime objectif, être le premier Marocain à se qualifier au CT, c'est-à-dire Championship Tour, et rester pour quelques années. Bon, né d'un père marocain, mère hollandaise, il a vécu au Maroc jusqu'à 13 ans. Son frère Sam Boukhari l'a poussé à essayer le surf. Il a par la suite rencontré Laurent Miramo de Surfland à Walidia, qu'il a repéré et mis en relation avec la marque Quicksilver. Et donc après, les choses se sont succédées, les choses de la vie. Il a perdu son papa en 2006, donc il a déménagé ailleurs et il a enchaîné pro junior. Il a décroché une seconde wildcard ASP pour disputer le Quicksilver Pro France. Il a surfé face à Kelly Slater. Alors Kelly Slater, comme les métiers à la fois, Kelly Slater, c'est un peu le Messi ou le Ronaldo d'elle le surf au premier round. Puis a créé la grosse surprise de la journée en sortant avec brio l'Australien Joey Parkinson, troisième au classement mondial. Oui, un parcours magnifique, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a offert la première qualification, je dis bien la première qualification, du surf marocain, arabe et africain aux Jeux olympiques, à travers bien sûr lequel il va tenter de gagner la compétition qui était prévue en 2020 et qui a été reportée en 2021. Alors lui, c'est Ramzi Boukhayem. Avant de lui donner la parole, si vous le permettez, je vais donner la parole à quelqu'un d'autre pour un témoignage. Et je vais dire à Ramzi de rester avec moi. Oui, je sais que tu demandes à participer à ma vidéo, mais je vais tout d'abord, donner la parole à quelqu'un d'autre pour un petit témoignage. Tout de suite. Voilà. Tout de suite. C'est en route, normalement. Alors, on va... On va lui donner la parole. C'est quelqu'un que tu connais bien, Ramzi. Normalement, si le signal est bon, j'attends qu'il monte et voilà, je lui ai envoyé la demande. Et Allah, un chauffeur Al-Qadi a dit, je pense que tu sais de qui il s'agit, Ramzi. On va encore une fois lui envoyer la demande. On attend toujours. Et sinon, on va bien sûr avoir son témoignage juste donc dans l'heure qui suit ou là pendant le live que nous allons effectuer. J'arrive pas à avoir donc mon autre invité qui devait témoigner, mais je sais qu'il va rester avec nous et je sais qu'il peut intervenir à tout moment. Nous envoyer un petit message pour nous dire qu'il est là et qu'il est bien branché pour être avec nous. Allez, on va passer à notre invité. Petite suite, comme dirait l'autre. Tite suite, tite suite. Le voici. Alors lui, généralement, il dort très tôt. Salut. Salut. Comment ça va? Bien, Armzé, comment tu vas? La baisse, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Carrément. De te voir mais, éveillé parce que tu dors tôt. Tu es un grand normalement, dormeur. Normalement, là, je suis en train de me brosser les dents et je vous lis. Donc, tu vas m'excuser. Je t'ai fait
un peu sortir de ta routine. Non, c'est cool, c'est tranquille. C'est tranquille. Voilà, ça fait plaisir. Merci pour l'invite et c'est cool superbe. de chatter avec toi. Baraklaoufik, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Amzi. Alors, normalement, donc, on voulait te faire la surprise. On voulait te faire la Ouais. surprise. Alors, le premier témoignage devait être celui de Laurent, quelqu'un que tu connais bien. Ouais, Laurent, carrément. Ah là, donc Laurent Ouais. devait donc intervenir en premier. Sympa, Alors, cool. mais bon, c'est-à-dire pour le moment, on a essayé de l'avoir, mais il pourra par la suite Il doit être par remonter. là, il doit être par là. Ouais, on a eu du mal à l'avoir, mais je pense quand il va vouloir intervenir, on va être obligé de couper ma Ramzi et on va prendre le C'est pas témoignage grave. de. Alors, comment ça va d'abord pour Ça comment marche. un grand sportif vit le confinement? C'est la question que je pose à tous mes invités. Honnêtement, je pense comme chaque être humain, des hauts et des bas. Ouais. Honnêtement, pour moi, ça a été des hauts et des bas. Mais voilà, des forces mentales que je pensais pas avoir, honnêtement, parce que, comme je t'ai dit, il y a eu des hauts, des bas. Des fois, ça allait vraiment bien, et des fois, bon, des fois un gros coup de barre. Parce que c'était long, c'est long, c'est long, et ça continue à être un peu long, mais plein de belles choses aussi, plein de belles choses. Beaucoup de travail sur moi-même, du coup, la Exact. méditation et tout ça, et j'ai pu profiter de me concentrer aussi à fond sur mon physique, chose que je fais aussi hors confinement, mais là, si j'avais que ça à faire, du coup, mes séances de sport tous les jours, et beaucoup de stretching aussi, chose que je fais pas assez normalement quand j'ai le temps de surfer. Ouais, Des fois, je suis un peu fatigué le soir, du coup, je ne m'étire pas assez. Du coup, là, j'en ai profité. Et juste, voilà, plein de petites choses que je n'ai pas l'habitude de faire ou que je n'ai pas le temps de faire, que j'ai pu faire. Et voilà. voilà. Très bien, donc le confinement Ouais, a du bon quand même. non, non, carrément. Ouais, Hein. carrément, franchement. Après, au début, je pense qu'on n'était tous pas partis pour 3 mois, Ah voire non, plus. du tout, du Du tout. coup, ça nous a un peu tous surpris, mais bon. On est tous dans le même combat, du coup, je Alhamdoulilah, reste. ça doit être un message que tu peux transmettre à tous ceux qui nous regardent ce soir concernant justement la pandémie du Du Covid. corona. Ben déjà de rester chez soi le maximum possible. Je sais que c'est dur, c'est ce que tout le monde répète, mais c'est ce que moi j'ai fait, honnêtement. C'était super dur, mais voilà. Et j'ai essayé de passer quelques messages durant ce confinement aux gens qui me suivent et j'espère à d'autres gens. J'ai essayé voilà, d'inspirer quelques gens à faire du sport et tout ça et un peu avoir un bon lifestyle, même si c'est dur. J'espère que ça a marché. Et voilà, rester positif. On est bientôt, je pense, à la fin du tunnel là. Du coup, voilà, et tout va bien se passer, Inch'Allah. Il faut rester Inch'Allah. fort. On est tous ensemble, Alors, en tout cas, dans ce fight. contrairement aux autres sportifs, ton job maintenant, ton job, tu es professionnel, Ouais. tu ne peux pas le, c'est-à-dire le, c'est-à-dire, quand je passe le côté technique, tu ne peux pas le, c'est-à-dire le faire sur un gazon ou dans la rue ou la courir. Tu peux courir, oui, c'est bon, ça fait. Ou c'est la mer. C'est un peu plus, c'est même, gérer même l'espace vital. C'est comment tu arrives à voir la mer et savoir que tu ne peux pas y aller, que tu ne peux pas t'entraîner. Ben c'est difficile, honnêtement, je vais pas te mentir, Mourad, là c'était vraiment dur, là, surtout là, ça fait long là. Mais y a un truc qui m'a toujours servi, même que des fois quand j'étais blessé, j'ai eu de grosses blessures et tout ça, la visualisation. Par exemple, avant de me coucher ou des moments dans la journée, je vais vraiment visualiser ou je vais partir loin dans ma tête et je vais m'imaginer sur une vague ou m'imaginer en train de faire ces manœuvres et quand je reviens, même si je n'ai pas surfé, des fois j'arrive avec un niveau qui est plus élevé que avant ma blessure ou là par exemple avant confinement. Parce que je l'ai tellement visualisé dans ma tête que j'arrive à le faire en arrivant à l'eau. C'est des petits trucs comme ça, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est incroyable, mais tu n'es pas le premier. Hein, tu n'es pas le premier à mettre en exergue la faculté de l'être humain à pouvoir visualiser son entraînement.
Donc, peut-être qu'avant, on te l'aurait dit avant, tu n'aurais pas. Tu sais pas que tu te dis, mais bon, ça va, non, qu'est-ce que je vais visualiser, moi? Ouais, exactement, Je vais exactement. sur l'eau. Je vais sur l'eau. Donc, je pense que ça aussi, c'est maintenant une qualité que tu vas avoir en plus en période de Carrément. préparation ou là, des trucs comme ça. Alors, Carrément. juste un petit souci technique, ton image est figée, ta voix passe bien, mais ton image est figée. Donc, Alors, et là? Toujours figé, toujours figé. Toujours figé? Alors, Tu veux que comme. j'attends, je quitte et je reviens? Alors, voilà, c'est ce qu'on va faire. Et en même temps, juste, j'annonce à tous nos followers, bien sûr, de rester avec nous, qu'on va prendre à chaque fois, au bout de chaque 10 minutes, on va revenir, reprendre vos questions, vos commentaires, et Ramzi va nous répondre. J'arrive, Selma, j'enlève et je reviens. Gatlia, son image, Mziana, dit figé. D'abord, Adindir. Voilà, donc, alors, nous, on le voit. Moi aussi, je le voyais. On le voit bien avec, il bougeait aussi. Donc, Mouchkil Indienne. Mouchkil Indienne. Pour nous, non. Alors, Simon, elle est au sein. Pour vous, non. Alors, Et là? maintenant, oui, c'est bon. Alors, juste pour te rassurer, il y avait des followers qui voyaient l'image bien comme il faut, d'autres qui ne la voyaient pas, donc Parce bien. que chez moi aussi, ça bougeait quoi, j'étais en Ah, direct. d'accord. Là encore, ça s'est coincé, mais c'est pas grave. On va continuer. C'est figé, mais c'est pas grave. Ah ouais? On parle bien à Hamza. À Ramzi, pardon. Alors, on y va. Alors, on y va. Quelques petits commentaires. Alors, Laurent Hichem, ça c'est Selma qui me dit que Laurent Hichem, je ne sais pas si c'est un grand timide. Elle a Laurent Mirabeau, est-ce que c'est un Non, timide? Ah, non, bon, non, non, moi, pas du tout. alors Selma me dit que Hichem, mais après on va voir. Non, 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 Laurent, il serait content en plus de venir parler. Alors, fais-lui gagner les JO au Japon. Eh ben, c'est ce qu'il va essayer de faire, Inch'Allah. Prenez Inch'Allah. le podium. Ah ouais, Hello, brise. please, le palmarès. On y arrive, Lamia, palmarès, bien sûr. Est-ce que je dois faire pour les nouveaux? J'ai pas compris. Ah, si vous faites, si vous pouvez juste me dire. Confinamiento tiene su lado positivo y negativo. Donc, le confinement a du positif et du négatif. Coucou, Ramzi, c'est Matcha. Inch'Allah, tout va bien se passer. Ça, c'est Selma. Ramzi, ça, c'est Da. I love you, Adar. Anna, voisin. Vaya Morad. Vaya morad como un pez fuera del agua. Oui, pourquoi pas. Top Ramzi. Surfeur amateur, on souffre de cet arrêt d'activité. Ah oui, voilà. Donc, nous, surfeurs amateurs, on souffre de cet arrêt d'activité. Ça, bon, tu leur donneras un petit conseil. J'ai C'est vu, la j'ai un folie, mais message c'est. d'un coach que je connais. Il me dit, Ramzi, explique-nous qu'est-ce que ça va changer dans ton surf, la prise de masse. Et quel genre de planche tu vas surfer? Tu veux répondre maintenant avec. Ouais, je peux répondre, je peux Vas-y, répondre. vas-y, bien sûr, bien sûr. Chauffe, ne te dérange Écoute. surtout pas. Chaque fois que tu vois un commentaire là-dedans, vas-y, fonce. Écoute, tout le monde m'a vu m'entraîner et prendre un peu de volume et tout ça. Et au final, j'ai le même poids que avant confinement. Bizarrement, moi aussi, j'ai cru que je me sentais un peu plus raide et tout ça. Mais en fait, je pense que j'ai juste transformé un peu en muscle. Du coup, je fais un peu plus costaud D'accord. qu'au début. Mais je pense que justement, ça va beaucoup m'aider. Les planches, ça va rester les mêmes. Après, un peu de souplesse, enfin, avant de reprendre le surf et un peu d'explosivité. Et je pense que toute la force que j'ai prise dans mes entraînements, elles vont me servir au contraire sur la planche. Voilà. Donc, en ce qui concerne les amateurs, qu'est-ce que tu leur proposes? Qu'est-ce que tu comme ça comme activité justement pour prendre leur mal en patience? Ben, comment, de faire comment, essayer de les motiver à faire au moins un petit peu de sport, ça défoule et garder la forme, comme ça on sort pas de ce confinement, tu vois, à la rue. Ouais. Moi, c'est ça le mindset que j'ai essayé d'avoir, même si des fois je voulais pas, hein, je me réveillais, j'étais là, oh là là, j'ai pas envie de m'entraîner, j'ai que ça à faire, mais j'ai pas envie. Et je me forçais quand même à le faire, comme ça, quand je sors du confinement et je vais aller à l'eau, je vais être. Bien sûr, le surf c'est à part, donc je vais avoir au moins une semaine, 10 jours de reprise à l'eau. T'as beau être le plus fit du monde dans l'eau, c'est dans l'eau. Mais au moins mon physique il sera là et je serai pas à la rue du tout. Je pourrai direct reprendre avec mon niveau et voir mieux.
La compète, ouais, d'accord. Alors, contrairement d'abord aux footballeurs, parce que maintenant, tu sais que le championnat est à l'arrêt, et si jamais il devait reprendre, c'est-à-dire maintenant, c'est carrément une autre préparation, c'est même, ça peut aller jusqu'à 6 semaines de préparation avant la reprise du championnat. Est-ce que c'est le même cas pour les surfeurs? De combien de temps est-ce qu'on vous avez besoin pour reprendre la compétition de haut niveau? Ben écoute, normalement le CEO de la WSL, il doit en parler la fin juin, début juillet. Ils avaient le dernier message qu'il avait passé, c'était l'annulation de toutes les compètes jusqu'à fin juin. Du coup, dès 1er juillet, je pense qu'il refait une annonce. Personnellement, je pense pas qu'il y aura de circuit avec des points et tout ça, des qualifications et tout ça. Je pense que c'est trop short. Ça m'étonnerait qu'ils reprennent les compètes internationales. Là, en juillet, comme ça, c'est pas avant septembre, peut-être octobre, et pff, ça m'étonnerait franchement avec tout ça. Du coup, je pense que peut-être ils vont faire quelques compètes, genre exhibition, genre pour le show, pour les fans, pour le public, un peu des belles compètes, surtout le CT, je pense, et peut-être des QS dans les régions, mais pas de. Ça m'étonnerait qu'il y ait des. Voilà, qu'à la fin de l'année, ils vont qualifier des gens pour le CT et vice-versa. Il n'y a pas eu assez de compètes, Très il y a eu bien. trop de breaks. Très bien. En tout cas, c'est bon, je pense qu'on n'avait pas le choix aussi pour les JO, c'est-à-dire le fait de reporter jusqu'à l'année prochaine, C'est c'était devenu primordial. quoi, voilà, primordial. C'est-à-dire, tu peux pas venir à Agda sans préparation jouer Non, impossible. faire les JO. On va revenir les JO et cette qualification. Comme je le disais sur ma page Facebook, avec maintenant tu es ambassadeur sportif, mais aussi tu es ambassadeur des 3 500 km de côte du Maroc. J'essaye. Donc, non, non, toi, Claric. Alors, Rayana Bourgui me dit, je t'encourage à pratiquer, te dit plutôt, je t'encourage à pratiquer la médiation afin de renforcer cette faculté de visualisation. J'adore ce que tu fais, tu es le modèle de beaucoup de jeunes, continue dans cette voie. Quand tu as comme ces messages, qu'est-ce que ça te fait comme effet d'abord, est-ce que c'est pas plus de responsabilité sur tes épaules aussi? Bien sûr, un peu, mais c'est surtout de la fierté, honnêtement. Tu vois, franchement, Hein? ça me touche, ça me fait plaisir, moi, tous les messages que je reçois de tous les gens qui me suivent, surfeurs, même non-surfeurs. Et j'essaie juste de rester moi-même, tu vois, de ne pas changer. Je ne changerai jamais, enfin, je suis Ramzi. Et j'essaie de perfectionner ce que je sais faire le mieux et d'essayer d'aller le plus loin possible. Et au passage, si je peux faire plaisir et motiver plein de jeunes avec moi, c'est vraiment ce que je veux aussi. Tu vois, c'est Très pas, bien. c'est bien sûr, c'est un sport individuel, c'est mes objectifs et tout ça, mais Très voilà, bien. je porte tout un pays derrière et j'ai envie d'emmener le surf marocain le plus loin Bien. possible. Participer au JO, Wow. c'était l'un de tes objectifs avant. Est-ce que tu avais tracé ça comme objectif dans ta carrière? Mais écoute, honnêtement, je vais pas te mentir, je savais pas si un jour le surf allait être au JO. Du coup, pas trop, mais les Jeux Olympiques, ouais, non, pour je pense tout athlète, c'est vraiment le but ultime. Du coup, ou bien un titre de champion du monde, ça se vaut. Du coup, voilà, quand j'ai su ça, j'étais là, waouh, il y a quelque chose là. Et quand j'ai su que, en fait, il y avait un moyen que je me qualifie. J'étais super super heureux et quand j'ai eu la qualification, quand j'ai décroché la qualification au Japon, j'étais aux anges. En fait, j'ai pas réalisé au début et c'est 2 semaines après quand je suis rentré au Maroc et j'ai eu tous les messages, tout le monde, tout ça, j'ai dit oh, en fait c'est C'est gros quoi. grandiose. Ouais, c'est Ah, c'est gros gros, carrément. vraiment. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion c'est-à-dire d'aller, de visiter un pays ou une ville qui organise les JO avant. Non, jamais, c'est pour Non. ça. C'est une ambiance exceptionnelle pour ceux d'abord qui la couvrent, comme nous, c'est en tant que journaliste, mais ceux, les principaux protagonistes, qui sont les sportifs, et ça reste gravé dans les mémoires. Bon, déjà, le fait de participer, c'est-à-dire, il devait revenir avec des médailles, ça aussi, c'est quelque chose J'espère. d'inoubliable. On te souhaite en tout cas, Inch'Allah, une bonne participation au JO, Inch'Allah, l'année Merci prochaine. beaucoup, Mourad. Merci Alors, qui beaucoup. est ton surfeur préféré du circuit? Tu penses que Italo sera champion en 2020 ou la prochaine saison? Ça, c'est Souhail, Khalnichan, la compétition, Mon les surfeur questions. préféré.
J'en ai pas mal, honnêtement. Ramzi, Ramzi Bouhiem, ça fait, toi aussi tu es, Hein? toi aussi. Non, après, Italo, c'est un monstre, honnêtement. C'est vraiment un monstre. Là, il arrive en force depuis 1 an, 2 ans, là. Et il fait des choses qui sont hallucinantes. Après, pour moi, Gabriel Medina, c'est toujours mon favori. Donc voilà. Moi, je dirais Gabriel. Après, j'adore Felipe Toledo, j'adore John, tout ça. Mais Gabriel, je trouve quand même que c'est un monstre. Ah, Il est c'est un trop monstre. solide et il est tout le temps solide. Dans Ouais. tous les aspects possibles. Myriam, la verdad es un orgullo tener un campeón como Ramzi, pero a ver si vaya formando gente para que vuelva este deporte más común. Ojalá sea el bon, est très très content, bien sûr, d'avoir un champion comme toi, mais bon, ça, maintenant عندي ça مع sera. الاسبانيول كان فهم Ah, ça fait sûr, خويا جوبا. هذه حيت هذه من كاتالونيا. بالي خويا بالي. Sí, yo quiero primeramente quiero tener el fue muy 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 focado por mi carrera, pero después mi carrera quiero volver a Marruecos y hacer una escuela para pasar mi knowledge to everyone else. Voilà. Eso sí es un plan en mi cabeza, pero no ahora. Primeramente, mis objetivos y después, Inch'Allah, una Inch'Allah. escuela de surf aquí en Marruecos. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas hispanophones, donc la question c'était de savoir est-ce que Ramzi va, c'est-à-dire justement encadrer ou la former des jeunes pour les encourager à pratiquer ce sport. Ramzi, maintenant, ça, actuellement, bien sûr, c'est la compétition, etc. Mais il promet de revenir, bien sûr, et pourquoi pas d'ouvrir une école et encourager les jeunes à pratiquer le surf. Alors, dès qu'il y a le déconfinement, quelle vague tu vas faire direct? Ça, c'est papy ou l'eau? Bon, j'ai aucune idée, honnêtement. Moi, je suis sur Casa, donc je pense. Je suis sur Casa, donc j'irai surfer là, dans les alentours. Mais Très bien. même si l'été, c'est pas le top top ici, mais bon. J'aurais tellement faim que Likane. Très bien, ça fait. La Liga Cassie Mpiesa, ça c'est même qui me dit que tu es confiné où? Ah là, ça c'est quelqu'un qui va voir ta position géographique. Je suis à Casablanca. Voilà, il est confiné à Casablanca. C'est qui ton surfeur préféré, Ramzi? Il a déjà répondu. Voilà, d'une légende du sport marocain. Merci, Hélène. Merci beaucoup. Amine, Amine. Les plages sont ouvertes pour le surf. Est-ce que les plages sont ouvertes pour le surf dans les zones? Non, Non. aucune zone. Aucune zone. Alors, merci pour ce live exceptionnel. Mais elle Inch'Allah, ça va revenir et la vie va presque revenir. Non, je dis presque. Et Inch'Allah, encore un petit peu de temps à tenir. C'est vrai que c'est pas évident. Alors, c'est du lourd. Le Rams, un grand champion. Ramzi, je suis une grande fan. What's your boat selection for the Olympics? Ah, that's a good question. Depends on the waves. Japan, normally, if it's in Japan at this time of the year, the waves are pretty small. So I'll go for, I think, the same board that I qualified in Miyazaki in Japan too last year. Pretty much the same board. It's a 6-0. It's not my biggest board. It's a board for like, yeah, half a foot to 2, 3 foot, 4 foot. Just all kind waves. So my magic board. I'll go for that. I think so. But I'll bring a lot of board and decide on the spot. Très bien. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, qu'est-ce que tu leur dis? C'est par rapport Ah, à, bien sûr, à préparatif. je leur ai dit que voilà, je pense opter pour ma petite planche magique comme celle que j'avais à Miyazaki quand je me suis qualifié l'année dernière. C'est une 6-0. C'est une board pour un peu tout type de vague, de tout. Très petite à 1,50 m, par là 1 m, 1,50 m. Et qu'au Japon, normalement, à cette période de l'année, les vagues sont assez petites et molles. Du coup, voilà, je pense que ça va être Bien cette sûr. board. Très bien. Il faut être riche pour pratiquer le surf. Ça, c'est une question, affirmation de notre ami Shani Majid. Tu peux répondre à Hamzi. Riche, non. Après, honnêtement. Moi, je suis pas riche, hein. Mais je pense qu'il faut quand même, pour avoir du bon matos et tout, soit tu as de la chance, tu vois, comme moi, que j'ai eu la chance quand j'étais petit de me faire sponsoriser par Quicksilver, de partir à l'étranger, etc., nanana, et d'avoir des facilités justement pour avoir ce matériel-là.
Sinon, c'est un peu, ouais, c'est cher, honnêtement, c'est un peu cher. Et c'est ça qui est dommage au Maroc, parce que le talent, on a, il manque juste un peu de, voilà, d'aide envers cette jeunesse talentueuse, et voilà, aussi des infrastructures, pardon. Et voilà, mais c'est, ouais, il faut pas être riche, mais ça coûte un peu d'argent, honnêtement, un peu. Ouais. Très bien, très très bien. Donc il faut quand même que peut-être le ministère de la Jeunesse et des Sports fasse un petit effort dans ce sens-là pour peut-être Ouais. subventionner les planches ou là pour aider parce qu'effectivement bon, on va parler de la discipline en elle-même parce on a du temps. Tu vas avoir une longue soirée aujourd'hui parce que vraiment, on veut comprendre plein de choses. On veut savoir, on veut connaître tout de l'homme. Rappelez que ces lives, bien sûr, on peut les revisionner sur ma chaîne YouTube, msport.ma. Donc, on aura l'occasion, bien sûr, si vous le ratez, de revoir. Avec grand plaisir, à l'entretien. Alors, Inch'Allah, médaille d'or aux Jeux Olympiques. Inch'Allah, pourquoi pas. Alors, Inch'Allah. ça, c'est Ada, ça, c'est quelque chose. Raconte-nous ce qui s'est passé au Brésil en 2015. Bon souvenir, Ah. mauvais souvenir. Hein? Ça, c'est 2015, mauvais NS. souvenir. Mauvais souvenir, ouais. J'ai failli Mauvais me souvenir. faire bien casser la tête. Ouf. Je suis arrivé au Brésil, à Itacaré, sur une petite plage. C'est la première fois de ma vie que j'allais là-bas pour une compète, un 6 étoiles, une assez grosse compète, un QS. J'étais tout seul, je logeais tout seul. Pour me rappelle, 6h30 du matin, j'arrive sur la première session sur le spot. L'eau, elle est hyper chaude, il fait hyper chaud, du coup, je rentre à l'eau en short. C'était petit les vagues, j'arrive au pic, j'ai encore les cheveux secs, je me rappelle. Et je dis bonjour à un jeune Brésilien, je pense. Et je dis bonjour en portugais, parce que je parle portugais. Et il me rame à côté de moi, il me regarde très méchamment, et il me dit. Et là, il m'insulte, mais violemment. Je ne vais pas dire les insultes en live, mais il m'insulte violemment, alors que j'ai juste dit bonjour. Et là, je me retourne, je dis pardon, pourquoi tu fais ça, nana? Et là, il continue à m'insulter. Bah, voilà. Moi, à un moment, je vrille, et j'avais toujours les cheveux secs. Je prends une vague sur mon ventre, et je vais chez lui, et je me mets à son niveau, comme ça, et je lui dis, oh, c'est quoi ton délire? Genre, pourquoi tu parles comme ça? Je t'ai juste dit bonjour. Et là, du coup, je le pousse un petit peu, juste un peu. Et là, il siffle, et il dit, eh! Et là, voilà, ils sont arrivés, ils étaient, je pense, 8 ou 9, 10 même, à un moment. Ouais, il y en a deux dans l'eau, il y en a d'autres qui venaient de la plage en courant, qui rentraient à l'eau nager pour venir me taper. Ils sont venus me taper, bah, 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 ils m'ont tapé des coups de dérive. Heureusement, j'avais ma planche pour me protéger. Et ça me mettait des coups de dérive, des coups de nose. Et il y a un pote à moi, tous les surfeurs, ils ont tous eu peur, ils ont tous sorti de l'eau. Les autres internationaux comme moi, il y a juste un pote à moi qui est resté, qui est venu m'aider. Du coup, ils ont sauté sur lui aussi. Du coup, ça a un peu divisé le pack. Et là, je suis sorti, je l'ai vu arriver. Je suis sorti, j'ai vu le mec arriver. Je me suis dit, bon, il faut que tu le laisses, qu'il te tape comme ça, tu vois, il frappe et voilà, il se sent fort. Et comme ça se calme. Parce que franchement, j'étais arrivé au stade où je me disais, Ramzi, là, comment tu vas faire pour Pour arrêter t'en cette sortir. situation? Là, c'est genre, ça y est, ça c'est. Il y a trop de feu là. Tout le monde est trop, trop, trop excité, trop énervé. Du coup, je suis allé, il m'a mis un bon coup de poing dans la tête. Hop, et j'ai pris ma planche et j'ai continué à courir. Et je suis allé à la pousada, à l'hôtel qui était en bord de mer. Et ils sont tous arrivés en courant avec des barres de fer. C'était violent, franchement, c'était violent. Ça faisait Et peur un peu. c'était quoi le tu En t'es fait, c'était trompé de un mot local. Le mec, c'était Ah, un d'accord. local. C'était un local de la plage et il était frustré, et je sais pas. Et au final, il a eu plein de problèmes avec plein de gens toute cette semaine-là. Et je crois que c'était la dernière édition, hein, de cette compétition. Ils n'ont plus jamais refait là-bas parce que tous les internationaux sont pleins. Gros, gros, gros localisme. Et tu es sûr que tu t'es pas trompé de mot? C'était bien bonjour en Là, portugais que tu lui bon avais dit? dia, bon dia. Je lui ai dit bon dia. Alhamdoulilah, Ah. heureusement, heureusement, Ouais, heureusement. heureusement. C'est Alors, l'expérience Ramzi, du surfeur. ouais, exactement. Ramzi, Ala veut une dédicace. Qui ça? Ala veut une dédicace. Ok, je t'embrasse, Ala. J'espère que tu vas bien et que tu tiens le coup pendant ce confinement si tu es au Maroc. Et pourquoi pas un jour on se rencontrera quelque part, Inch'Allah. Inch'Allah. Ryan, tout le monde. Ramzi, tu es meilleur ambassadeur du surf marocain. Alors, Bouka Karim qui répond à Chani, non, il ne faut pas être riche pour surfer. D'accord.
Alors, Voilà. cette qualification est un mérite pour ce gars. Il a beaucoup travaillé. Ça, c'est Décamenace, donc qui te rend hommage, the best. Bravo Ramzi pour ta qualif, c'est énorme. Ouais, bad day, une fois, chute le live. Ah, Wallah, ça c'est Allah. Wallah, this was a bad day, mauvais jour et mauvaise journée. Une fois, j'ai vu le live. Eh ben, on est très content pour toi. J'espère que tu vas laisser de mauvais jours derrière toi et il y en aura de plus Ouais, beau, Inch'Allah. j'espère aussi. Premier JO aux Olympiques, Ramzi, et comme le premier Marocain sur la ligne. La lune, pardon. Oui, effectivement, Amine, et sa mère. Voilà, Amine, eh ben, je vous aime. Tampoco vemos muchos marroquíes. Bon, ça, je te laisse lire. Pratican este Ouais. deporte entonces, a ver si un día vuelve más frecuente. Voilà, si tu peux répondre à Mrim, vas-y. Hein, moi, je... Ok, attends. Voilà. C'est quoi sa dernière question, Mourad? Pardon, j'arrive pas à voir. Alors, Il y en a. tampoco vemos muchos marroquíes que practican este deporte. Entonces, a ver si un día vuelve más frecuente. Sí, On voit claro. beaucoup. Hein. Pero hay muchos marroquinos que surfan aquí en Marruecos, muy buenos surfistas, ¿ah? ¿Eh? Ouais. Es solo el problema de ayuda y de. Sí, de dinero aquí para ayudar sí, los pequeños, las crianzas, pero hay muchos surfistas buenos aquí en Marruecos y hay muchas olas buenas. Es solo un poco de tiempo y vamos a ver muchos marroquinos más como yo y, ¿por qué no mejor? Inshallah. Très bien. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. C'est que, bon, déjà qu'il y ait une locomotive, quelqu'un qui puisse vraiment aller de l'avant, et c'est ça, hein, c'est l'émulation qui provoque aussi l'envie et la volonté de faire la même chose, pourquoi pas. Alors, afin que tu vois le commentaire, Job, ça y est, c'est déjà fait, ça c'est Ala, je t'admire beaucoup, Ala, moi je t'adore, c'est toujours Ala, Aïba, fierté du royaume, Ramzi. Coucou, parle-nous des Jeux Olympiques, ça va venir, on en a parlé, on va encore en parler. T'es trop beau, ça fait plaisir d'entendre de l'arabe, muy bien en inglés, te amo Ramzi. Ah ben, tu as énormément de fans, donc C'est cool. énorme, énorme, what's your boat selection of the Olympics, ça s'est répondu. Comment tu trouves la nouvelle génération des surfeurs marocains? Très bonne, Ouais. honnêtement, on a de très très bons surfeurs et on a plein de différentes classes d'âge, c'est ça qui est cool. On n'a pas un gros gap entre les âges. Ouais. Il y a les jeunes générations, il y a les tout petits, il y a les tout petits de 9, 10, 11. Après, il y a un peu plus vieux, 13, 14. Et après, il y a aussi la génération de 16, 17, 18. Il y a des bons surfeurs. Il y a des jeunes comme Céline Zouir, qui a, je crois, 17 ans ou 16 ou 17 ans, qui est très bon, qui a déjà fait des bons résultats à l'international. De la même bande, il y a Camille Morrissey, Neila Boufiras. Il y a Boubker Ouais. aussi, qui est un peu plus âgé. Et au-dessus, il y a moi. Après, il y a au-dessus de moi, avant moi, il y a eu Abdelkhalq, il y a eu Yacine Ramdani. Donc on a eu plein de surfeurs, hein. On a eu plein de bons surfeurs au Maroc et on en a encore. Hein. J'en oublie peut-être, désolé. Mais non, et il y a même plein d'autres, des locaux qui surfent partout dans le Maroc qui ont un bon niveau, hein, qui ont un très bon niveau. Donc le surf au Maroc est sur la bonne voie, honnêtement. Ouais, très bien. Donc la relève est là. Ouais, la relève Mais compétition carrément. même si c'est encore trop tôt pour parler de relève, puisque on peut dire que Allah, ça y est, Allah, la grande aventure va commencer pour Ramzi. Ouais, Bienvenido Inch'Allah. al Cabo de Palos a surfear y al mismo tiempo practicar el español porque tienes muchísima base. Voilà. Donc, on t'invite en Espagne pour surfer et encore améliorer un peu plus l'espagnol. Un autre plan sponsor après Quicksilver. Ben déjà oui, déjà Enatlas, première marque marocaine qui me supporte là depuis quelques Ah. mois cette année. Du coup, je suis Ouais. très content. C'est un très beau partenariat. Je suis C'est la franchement. Je première fois qu'un sponsor marocain te suit. Ouais. Ouais, Ah bon? depuis tout le temps, ouais. Du coup, j'étais très content. Honnêtement, j'étais très heureux. J'ai eu de la chance d'avoir Quicksilver pendant toutes ces années. Malheureusement, ça s'est arrêté là il y a quelques mois pendant le confinement là. Et avec ce coronavirus, mais heureusement que Ain Atlas est toujours là pour moi. Et voilà, c'est vraiment un beau partenariat. Je suis très très fier qu'un annonceur Une marque marocain ait confiance en marocaine. moi. Voilà, qu'une marque marocaine ait Ouais. confiance en moi et me soutienne.
Parce que comme tu as dit, ça fait quand même longtemps que je surfe et j'ai pas mal d'expérience. Mais honnêtement, je sens que voilà, c'est le début là. Je sens que je suis arrivé à mon pic et que Maturité, ouais. voilà, exactement, et que j'ai encore de très belles années devant moi, life, si je me blesse pas et que voilà. L'injecte, l'injecte, l'injecte. Et chauffe, c'est-à-dire là, c'est-à-dire on rend bien sûr hommage à ton sponsor, mec, parce que quand tu me dis que c'est le premier, je veux dire qu'un peu c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage qu'on ne, c'est-à-dire qu'on ne croit pas vraiment énormément dans le sport individuel, le surf, parce que ça c'est de grandes chances de médaille. Donc vraiment, c'est bien dommage. Et en tout cas, encore une fois, c'est-à-dire on encourage, vraiment on encourage les annonceurs à accompagner nos sportifs. Qui m'aimerait cool, c'est-à-dire grand budget, petit budget, mais bon, c'est-à-dire bon résultat, résultat moyen, mauvais, mais encourager ces jeunes, sincèrement, ils en ont besoin. Ils en ont besoin, Carrément. surtout que le Marocain, le jeune Marocain, il est mec, il est talentueux, avec plus de moyens, il peut faire beaucoup mieux. Et donc, ça, c'est un appel qu'on lance à travers ce modeste live Instagram. Ouais, What carrément. do you think about Tarazout and Imsouane? Well, Tarazout is my region. I mean, Voilà. it's where I grew up, so I love Tarazout and all the south of Morocco. I love all Morocco, but Tarazout is special. Honestly, we have crazy waves. We have a lot of tourists that comes and surf our waves there all year long, and the whole coast, yeah, Imsouane too. It's getting super crowded now. Many tourists they go there as well. So yeah, I have a lot of friends that work in surf school there. They're really cool guys and really good surfers. So it's a really nice region. If you guys want to come, you're welcome. Alors, justement, à ce propos, Ramzi, est-ce que tu penses c'est-à-dire qu'on exploite comme il faut les 3 500 côtes que nous avons sportivement parlant? Ben écoute, comme tu as dit, il y a encore plein de spots qui sont encore vierges. Et après, la région, quand même, la région Tarazout et tout ça, elle est quand même sacrément développée niveau surf maintenant. Genre au Maroc, même si tu parles à quelqu'un qui connaît pas trop le surf, tu dis Tarazout, pour lui, automatiquement, il va faire le link avec le surf. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de Déjà, bien Marocains qui sûr. vivent du surf là-bas dans la région. Soit ils travaillent dans des écoles de surf, soit. Du coup, ça fait quand même. Ça nourrit pas mal de familles marocaines là-bas, le surf. Et avec tous les touristes qui viennent et voilà, tout le monde du surf qui s'est installé à Tarazout. Et il y a encore plein d'endroits dans le Maroc où on peut faire des belles choses comme ça. Très Il bien. faut juste, s'il y a un petit truc du cœur que je dirais, il faut juste pas casser le charme des endroits, en fait. Il faut qu'on garde un peu le charme de notre pays, des petits trucs, voilà, des petits trucs roots qu'on a dans notre pays qu'il ne faut pas détruire. Après, voilà, chacun a son opinion là-dessus. Ça, c'est mon Bien opinion. sûr, bien sûr. Non, tu as raison, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire exploiter des spots, etc., mais bien sûr veiller c'est-à-dire à préserver Pas tout détruire, l'environnement, quoi. bien sûr, c'est ça. Malheureusement, parfois, c'est ce qui se passe. Mais alhamdoulilah, il y a aussi des gens. Qui vraiment sont conscients de la chose. Tu conseilles des entraînements à la Exactement. maison pour bien reprendre le surf après le confinement. On en a déjà parlé. Ramzi a donné un peu son programme. Il nous a parlé, il nous a dit un peu ce qu'il en pensait. Est-ce que tu penses que le surf au Maroc n'est pas assez encouragé ou médiatisé? Je pense que on a fait beaucoup d'efforts, mais ce n'est pas encore assez. Ouais. Mais comme tu as Très dit bien. tout à l'heure, plus tu médiatises, plus tu aides, plus tu vas avoir de résultats. Exactement. La fierté du Maroc avec Id Douche, bien sûr. Tes Ouais. meilleurs spots de surf au Maroc. Brahim Id Douche, ouais, meilleur bodyboarder, pour moi, un des meilleurs bodyboarders du Maroc et même du monde. Hein. C'est un monstre. Lui et Anas Haddar, c'est des monstres. C'est des jeunes Marocains aussi. C'est vraiment des monstres qui ont fait des très, très, très gros résultats à l'international. C'est des grandes fiertés, hein, aussi de notre pays. Tes meilleurs spots de surf au Maroc. Mes meilleurs spots de surf, il y en a beaucoup, mais je pense que moi, mon spot préféré, c'est Ras El Fahd, c'est à Safi. Ouais, Vraiment, sa fille. l'hiver, quand il y a des grosses vagues à Safi, moi, j'adore. Même au monde, hein, c'est ma Ouais. vague préférée au monde. C'est là où j'ai le plus D'accord. d'adrénaline et je me sens le mieux. Super, super. C'est vrai, c'est un endroit que je connais aussi. C'est magnifique, c'est sincèrement magnifique. Ouais.
Ramzi, welcome from Anza. Parle-nous de la victoire au Brésil au début de saison. Parle-nous de la victoire au Brésil en début de saison. Ouais, c'était une sacrée. Ben, c'est pour ça 2020 commençait si bien pour moi. Une grosse Exact. victoire dans une grosse compète. Mais non, c'était très spécial. Franchement, c'était. Ben, j'ai commencé à travailler avec mon nouveau coach Aziz Bouchga, qui est le coach de l'équipe nationale marocaine. On a commencé. Ben, la première compète, c'était à Miyazaki l'année dernière au Japon. Et on est revenu avec cette qualification pour Tokyo. Magnifique, Donc, magnifique. ouais. Du coup, on a décidé de, voilà, j'ai décidé moi de le prendre avec moi toute cette année 2020 sur tout mon circuit WSL. Et deuxième compète, on a fait celle de Tarazout où j'ai pas performé comme je voulais à la maison. Première fois en plus qu'il y avait une compète à la maison. Et direct après, je suis parti au Brésil avec Aziz et on était le duo et j'ai gagné. Ça faisait très longtemps que j'avais pas gagné une grosse, grosse, grosse compète comme ça. Du coup, je me sentais vraiment bien, comme je t'ai dit, tu vois. J'ai des bonnes Très bien. planches mentalement, je me suis bien retrouvé. Genre, j'ai atteint une maturité que, voilà, je me sens bien. Et c'est ça payé. Et Inch'Allah, il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Ouais, Inch'Allah. Alors, après les meilleurs résultats de ta carrière cette année, je trouve bien dommage, ça je pense c'est Laurent d'Alboise, sa photo. Bien dommage que Quicksilver te laisse tomber à ce stade. Est-ce que Ouais. ça t'a chagriné un peu l'histoire Hein? d'elle? Bien Est-ce que ça t'a sûr. chagriné? Bien sûr, un peu, parce que c'était mon seul sponsor pendant. Je suis resté 16 ans avec eux. Depuis que j'ai 10 ans, je suis avec Quicksilver. J'en ai 26, donc c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. J'ai rencontré plein de gens. J'ai vécu plein, plein, plein d'aventures avec Quicksilver dans le monde entier. Du coup, bien sûr, ça m'a chagriné un petit peu, mais bon, c'est pas ça qui m'abat. C'est la vie. Et voilà, je Voilà, il surfe faut. plus que jamais, je me sens mieux que jamais, donc il n'y a pas de raison. Ça, c'est ça, c'est très bien, tu as bien répondu, il faut toujours positiver, c'est-à-dire, Inch'Allah, c'est-à-dire, M. Cook Silver, et j'ai Hajar, j'ai Exactement. Inch'Allah, c'est Exactement. bien. I already speak with you in Tarazout during the competition. If you remember, I hope to surf with you one day. Ça, c'est Amina Ougaran, Inch'Allah, pourquoi pas. Why not? Yes, of course. Voilà. You are welcome to my host in Tarazout after this Corona Ramzi. Une autre invitation. Eh bien, tu n'auras que l'embarras du Thanks. choix après. Thank you guys. Alors, déjalo hablar en el idioma que quiere. Ben, c'est ce qu'on fait. Il parle qui m'abra, qui m'estera, Allah yudi. Alors, docteur Heddo, gallek encore un clin d'œil à sa fille. Eh oui, hein, c'est-à-dire, l'IMET, ça fait. On a reçu énormément de sportifs et d'anciens animateurs, comme Ramzi hier aussi, qui étaient de sa fille. Karim Lbalah, Karim Ben Chérifa aussi, entraîneur, qui a entraîné en Inde, etc. Il est aussi originaire de sa fille, tant mieux. Est-ce que tu as déjà surfé au Costa Rica? Non, tu vois, j'ai eu plein d'invitations de potes là-bas et c'est un des pays que j'ai envie de faire et j'ai jamais été au Costa. J'ai été à côté, mais pas au Costa. Je sais Inch'Allah, qu'il y a de ben, très bonnes donc vagues, ouais, bientôt, Inch'Allah. c'est dans tes plans. Ramzi? Oui, bien sûr, c'est dans mes plans. Oui, Ouais, bien sûr, très bien. c'est dans mes plans. D'ailleurs, je comptais y aller cette année. Normalement, on devait avoir les ASC au Salvador. Et je comptais y aller juste après, parce que j'avais un petit break. J'allais faire la compète au Salvador et passer 10 jours au Costa après en trip. Mais il y a eu le coronavirus. Du coup, Ouais, voilà. ça a changé plein de programmes là. Alors, tu comptes faire Pipeline un jour, Idoubac. Ouais, j'ai déjà surfé Pipeline. J'ai déjà fait Voilà. des compètes à Pipeline. Mais le Pipe Master, bientôt, Inch'Allah. Alors, le blanc d'écart là, petite question indiscrète. Moi, elle dit vraiment indiscrète. Vous lui envoyez sur. Bon, je la lis. Qu'est-ce que tu as une chérie? Bon, ça fait gna, il y a pas de. Hein? On se lance. Ça c'est la vie privée. Ça a fait, voilà, exact. Bien répondu. Bien répondu. Elle dit non. Est-ce que ça fait plaisir de parler de la vague Safiot? Ramzi, have you skyboard at desert? Est-ce que c'est Desert. un. Ah, non. Skyboard Non. at desert? Je vois Ah. pas. Moi non plus. Alors, Ramzi, parle-nous de tes sentiments après la qualification aux Jeux Olympiques.
Ben, premier sentiment, vraiment fierté. Fierté, très heureux pour moi, pour ma famille, pour le Maroc, pour le surf marocain, pour tout le monde, honnêtement. Et que voilà, toutes ces années de travail ont payé malgré quelques galères, malgré pas mal de blessures. Et voilà, genre vraiment juste la fierté. Très, très, très fier de porter les couleurs du Maroc et de déclencher cette qualif pour la première édition de l'histoire que le surf, voilà, des surf au JO. Et 2021, comme tu as dit tout à l'heure, je vais vraiment tout donner. Je vais me préparer à fond pour essayer d'emmener une médaille, hein. Je ne vais pas y aller pour faire figuration, ça c'est sûr. Bien sûr. Très bien, très bien. Ça va, c'est un bon état d'esprit. Parce que généralement, on se contente de participer là vraiment. Si tu as ça en tête, c'est excellent. Ouais. Inch'Allah. Bien sûr, tu pars déjà avec de l'ambition de vouloir revenir avec une médaille et faire les choses comme elles doivent être Tout faites. donner, en tout Alors, cas, ça c'est sûr. voilà, c'est ça. Ils ont. Alors, Selma Fares qui me dit, est-ce qu'ils ont rompu le contrat à cause du Covid, là, ou de Quicksilver? Je pense, ouais, je pense que oui. Ouais. Ouais. D'accord. Better sponsor, Inch'Allah. Arrêtez d'écrire les gens, vous cachez. Alors, arrêtez d'écrire les gens, vous cachez. Donc, Ada. Ada. Alors, tac, 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 on y va. Alors, chauffe. Maintenant, dans presque 4 minutes, normalement, c'est Instagram qui le veut. On fait généralement une petite pause d'une minute et le temps de se reconnecter. Mais la deuxième heure, j'espère que Laurent Mirabeau nous suit. Je vais essayer de l'avoir en début de cette deuxième heure pour un témoignage en ce qui te concerne. Et après, bien évidemment, vous allez rester avec nous tous ensemble. Vous nous suivez, c'est excellent. Il y a énormément de monde. Vous posez beaucoup de questions, c'est très bien. Il y a beaucoup d'interactivité. Mais restez avec nous par la suite pour la deuxième heure parce que la deuxième heure, voilà ce qu'on va parler. Vous allez voir tout de suite. Tout de suite, tout de suite, vous allez avoir un petit aperçu des sujets qu'on va, ou là des choses qu'on va voir. On va parler de ça, on va parler de ça, on va parler de ça, de ça, de ça, de ça et de ça, de ça aussi, de ça aussi, de ça, de ça. Voilà, Ramzi. Ça, c'est une petite bande-annonce improvisée. Ça, c'est les grands moments de la vie du champion. Ramzi Bouhrien. Ah ben c'est lui, hein, attention, à la Rouad, hein. Voilà. Qui aurait dit que ce jeune irait représenter le Maroc, pays arabe et tout ce qui s'ensuit aux Jeux olympiques. En tout cas, bravo. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Mourad. Achikolo, on va en parler tout à l'heure avec grand plaisir avec notre ami Ramzi, bien évidemment. D'abord, elle dit la Liga, elle dit je de la Liga, mais Ramzi, on va pas essayer. Donc, on te remercie d'abord parce que toi, tu as pour habitude de dormir tôt. J'ai J'aime, là, c'est mais il y ce a que tu m'as dit. mes yeux qui brûlent. Peut-être je vais aller chercher mes lunettes de vue. Donc si je change de style. Voilà. Y a pas de souci, c'est toi, c'est pas ton frère ou le Chahaja, c'est bien toi. Voilà. D'accord. D'accord. Alors j'espère que Moon me dit bravo Hamzi, tu es champion, rocher du diable il y a 16 ans. Voilà. Est-ce que tu es déjà retrouvé en compétition? Est-ce que tu es déjà retrouvé en compétition contre tes amis? Ouais, ça m'est arrivé, bien sûr. Bien sûr, plein de fois. Un de mes meilleurs Mais. potes avec qui je voyage le plus, Marc Lacomar, un Français, Ouais. que voilà, je suis presque tout le temps, tout le temps, tout le temps avec lui. Je sais pas pourquoi le hasard fait que on est tout le temps ensemble au premier tour presque. Genre là, Eh ben. cette année, sur quatre compètes, on s'est affronté trois fois. Et quoi, vous voyagez ensemble ou Ouais, là cette année, non, cette année j'étais avec Aziz, mais les années d'avant, Ouais. j'ai voyagé Ouais. pas mal avec les Européens, avec Marc Lacomar surtout, et Charlie Martin. On a une bonne petite bande, on a une bonne petite bande, et pour pas être tout seul, on se partage les frais quand on va à l'étranger sur toutes les compètes, Très bien, très bien. les locations de voiture, etc., tout ça, et C'est bien, c'est c'est bien. toujours un peu plus fun d'être avec ses potes, tu vois. Ah. Ok, bah c'est très bien, c'est très bien. Donc, mais une fois dans l'eau, Une chacun fois l'eau dans pour l'eau, soi et la vague pour tous. voilà, une fois dans l'eau, il faut se battre. C'est là où le lion qui rage.
Ah, Dakshi, ce que j'admire le plus chez ce grand champion, c'est son charisme, son respect aux gens. Il a déjà surfé à mon home spot et il a été la personne qui a empêché une bagarre. Donc, alhamdoulilah, ça c'est les valeurs, c'est les exemples qu'on veut. Merci beaucoup. C'est les valeurs qu'on souhaite voir les sportifs donner en exemple. Parce que le sportif est d'abord un ambassadeur de ses valeurs, avant tout. Donc, avant de remporter des titres, etc., s'il arrive à véhiculer des messages, c'est magnifique. Je regarde Carrément. toujours tes vidéos sur Instagram. Est-ce que tu t'entraînes chaque jour? Il s'entraîne, il les compte presque chaque jour. Presque 16 jours. Honnêtement, Voilà. j'ai dû rater, on va dire, allez. 10, 8 jours, 10, bah, 8 jours sur les 3 mois là, du confinement. Ouais. Alors, est-ce que tu connais Snake Tolls? Est-ce que tu voyages souvent pour t'entraîner avec sur d'autres spots? Tout ça, on va y répondre tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, dans 2 minutes. Une fois qu'on va se reconnecter et retrouver, bien sûr, Ramzi. Et j'espère, juste avant, Laurent Miramo, j'espère. Hein, j'espère, sinon, on attaque directement avec Ramzi. À tout de Ok. suite, restez avec nous.